Bonjour, est-ce qu'on va nous souhaiter que nous bien, nous avons quelques jours nous pour partager quelques informations sur crypto avec vous et sur Chanel Nouveau. Je dis à nous à continuer avec toutes les informations qui sont pour avec crypto. Ben, je dis à nous, ouais, ma tête là, après une longue down, l'idée pour et ben, une semaine ça, et ben, ma tête là, même là, pour être capable. Nous avons Avalanche qui a augmenté à plus de 10%, qui est à 95,42 dollars. Nous avons Dogecoin qui est à 0,15 centimes. Nous avons Matic qui a monté plus de 2, plus de 6,71% et qui était à 2 dollars à côté de Napalea. Nous avons Shiba lui-même qui a monté plus de Shiba à 0,00002 centimes et nous gagnons ma tête là lui-même qui a avancé à grand pas qui a fait et parler en pile de lit pour ce maintenant ma tête là pour recapler et nous capables ça et que ma tête là pour recapler Bitcoin qui montait jusqu'à 43 000 dollars. Pour matin, à côté que n'a pas la avec nous qui était chuté jusqu'à 40 000 dollars, jusqu'à 40 000 dollars. Et bien, matin, market là pratiquement vert. Et bien, ces moments pour monde qui était prend un profit, ou bien monde qui était prend profit de la market là, les mêmes étapes baissées. Ben, ces moments pour capable assister à un contentement parce que market là, les mêmes, aller vers l'avant. Ok, market la très outli. Ok, si nous regardons là sur le website, moi, à côté, après, Jean, market la a retourné timidement, timidement. Eh bien, une deuxième, pour nous dire deuxième semaine, mois de janvier, eh bien, market la, lui-même, la propre capli. Market la a avancé. Market la a fait et pas que lui doit faire. Ok, si n'a pas assisté avec coin market cap la, lui-même, ben tout coin yo presque en vert, ok, tout coin yo presque en vert, Ethereum à 3300 dollars et nous gain Chiliz qui a 0,2, nous gain Solana qui monte 8%, 151 dollars, nous gagnons Bitcoin j'aime tout tout à l'heure qui a 43682 dollars, nous gain Cardano qui monte jusqu'à 10% matin à un prix de 1,29$. Nous gagnons et Solana qui nous gagne Avax qui a 200 AVV qui a 218 dollars. Nous gagne XRP à plus market là. On nous dit souvent sur website moi regardez là que market là lui-même l'hiver et pendant sur website moi sur besoin acheter quelques produits, OK, sur besoin acheter quelques coûts, OK, nous va aller ça puis devant. Et nous font pas quelques vidéos sur ça, channel là, on peut tout coup nous yo, tout produit que nous gagnons, on peut coaching que nous bail 30 dollars en coaching, ok, pour 30 minutes, 60 dollars pour 60 minutes, ok, si vous besoin de participer dans le club noir, club côté que nous avons montré exactement tout moyen pour faire l'argent pendant toute l'année 2022, ok, un challenge côté que nous avons boosté mon yo pour faire au moins 60 000 dollars avant l'année à finir. Si vous êtes intéressé, vous capable de venir inscrire dans le club là, 15 USD qui soit payé en crypto, 30 dollars soit payé en dollars américains. Et nous avons BNB qui a 4483 dollars matin, Uniswap 16 dollars, 2%, CryptoCoin à 6,8% qui a 0,0 dollars. Ça, c'est toute information nous avons sur le website. Nous, sans plus tarder, on nous passe rapide vite dans ce qui intéresse nous pour matin. Et nous avons crypto.com lui-même qui font prédiction prix pour 2022. Le crypto.com lui-même qui était fondé le 16 juin 2016 par un tour qui est le Chris Mazek, Raphaël Melo, et bien avec un partenaire qui est le Gary Orr et Bobby Bao. Et bien, lui-même, il était commencé avec un projet qui est le technologie GmbH. Eh bien, 25 décembre 2021 qui se passe là, eh bien, il a été inauguré Stade Los Angeles Lakers là, eh bien, il a passé le crypto.com et pour le droit à nous ça,
yo te paye son 700 millions de dollars pour ça te fait. Eh bien, dans l'article, ça a utilisé quelques tokens capables de montrer information que crypto.com lui-même lui va le faire pour l'année 2022. Il y a un bail qui est extrêmement intéressant dans 2020, dans 2022, là, qui fait commencer. Eh bien, nous, Comebol lui-même, Comebol qui c'est et ça qui est pour avec football latino-américain. Ben Comebol lui-même lui a annoncé que il fait une alliance avec crypto.com. Et ben crypto.com lui-même lui vient tourner partenaire officiel Comebol, Comebol Libertadores. Tout comme Comebol lui-même lui est pour jouer avec football qui est dans Amérique latine. Et ben toute équipe, tout pays en Amérique latine, il y a même lui dans Comebol. Et ben je dis à Comebol de Libertadores, ben il a même lui accepté crypto.com. Le crypto.com il fait connait de ces plateforme trading lui offre plusieurs services financiers et il y a un propre token natif qui c'est crypto.com coin qui cible c'est CRO et il y a quelques produits financiers OK sur blockchain il y a un tarif et qui pas vraiment intéressant parce que tarif est vraiment haut selon moi-même. Et yo gen yon marketplace NFT tout côté y a créé NFT article ça semble pas vraiment bay toute information yo gen sou coin yo et pour 2022 a, mais ça vous fait connaître prédiction pré crypto.com yo a, et ben yo fait connaître que prix li ka arrivé jusqu'à 600%, ça veut dire na de 2022 a, il va passer de 0.32 centimes 0.42 centimes jusqu'à arriver dans 2.23 dollars pendant année 2022. Donc même selon prédiction que vous faites, eh ben il fait connaître que crypto.com dans lui-même il va arriver dans point ça pour toute année 2022. Nous gien FMI lui-même qui vraiment préoccupé de crypto monnaie dans marché financier. Pour notre ces nouvelles ça même yo pas vraiment en faveur crypto, et ben FMI lui-même lui montre préoccupation pour croissance corrélation qui gagne entre crypto monnaie avec marché financier. FMI publié font belle rédaction et yo parler sous position et sous préoccupation qui vient en augmentation corrélation qui vient en crypto monnaie avec action yo. Et ben il yo fait connait que et corrélation ça qui existait en l'argent fiat là avec crypto monnaie est capable de déstabiliser marché financier yo. Et il fait connait que il probable pour numéro jeune cap investi dans crypto monnaie lui même lui augmenter. Et c'est un bagay qui capable faire FMI gain problème, mais ça FMI fait connaître. FMI dit comme ça que il gain préoccupation pour jeune cap investi parce que jeune yo normalement est capable venir faire l'argent rapide vite, ben ça va mettre une déstabilisation dans marché. FMI publié yon informe sous prix et crypto monnaie qui commençait à monter et dans marché de valeur, ben informe ça li publié ou bien article ça li yo publié le 11 janvier qui s'est passé là, et ben yo fait connait que bon tendance qui a avancé vers marché global là. C'est ça que MFI lui même lui fait connait. OK, MFI montre préoccupation de l'argent qu'a fait de l'argent qu'a fait dans en market là, OK, et c'est ça que yo même yo fait connaître MFI mon FMI montrer préoccupation ça qu'a passé dans market là. FMI dit comme ça que eh ben génération ça lui-même li a fait en pile l'argent et ça va déstabiliser market là. Bah ouais, donc ça va déstabiliser market là. Moi-même plus soit que FMI lui-même a géré position pâle, a géré et ça qui est pour avec
et importance pal dans market là parce que jouet la virer dans mer et Wizardia. Ben Wizardia lui-même c'est yo metaverse play to earn, c'est un jouet qui fait pile par la pile de lit. Nous allons l'examiner dans le club noir. OK, nous allons l'examiner dans le club noir parce que et Wizardia lui-même c'est un produit de métaverse et produit de métaverse ça lui-même lui intéressant pour que nous capables normalement voyager sous les et Wizardia il peut venir introduire à l'utilisateur lui un monde de fantasy et qui capable normalement et hostile et dans vie que yo pral connaît, OK, dans vie et côté nous connaît et des bagages yo pral changer personnage yo ou bien joueur yo capable et jouer rôle et à jouer rôle comme des magiciens uniques pour yo lutter et survivre en dedans jouer de ça. Et ben nous connaît moi-même moins parler pile de metaverse et bon cours sur metaverse qui pratiquement fini, il était seulement pour nous publier lui. Ben metaverse et NFT lui-même il a appris position dans cryptosphère là. Mais Wizardia lui-même il basé sur technologie et pionnier dernière phase que développé dans industrie crypto. Ben monde GameFi là lui-même NFT avec metaverse ben yo commencé à combiner mécanique jouet moderne pour que y ait plus monde qui et participer dans finance décentralisée pour être capable de jouer un jouet pour gagner et ou capable faire le maximum gain possible. Mais si monsieur GameFi yo même yo très intéressé dans Wizardia, ben un jouet qui fait paraître côté que ou capable de jouer Wizardia et puis ou faire l'argent avec Wizardia et nous va parler en pile de l'argent de jouet ça. Wizardia important, Wizardia a fait cadeau $15,000 de prime dans la communauté qui participait dans tout mois janvier. Et jouette et membre communauté capable participer dans airdrop que vous faites, capable de venir cliquer sur airdrop. Il y a $15,000 USDT qui est disponible pour tout le monde qui a joué jouette ça et qui gagne jouette ça et yo a distribué sous Binance Smart Chain. Et ben airdrop la li même la fini le 20 janvier qui yo même rivé cap rivé là et sou intéressé participer ou capable juste commencer télécharger jouet ça OK Wizardia pour capable faire parmi moun cap gain nan kobi a bay la nan Wizardia. Et ben gen pays et Costa Rica li même qui fait que mette pied la terre là. Et ben yo mette yon plant hydroélectrique qui capable faire que minerie et cryptomonnaie minerie cryptomonnaie Costa Rica en banche. Et ben nèg yo créé yon plant énergie hydroélectrique dans pays Costa Rica pour yo capable réutiliser et impulser et plusieurs opérations de minerie et de cryptomonnaie dans pays ça. Gen 35 km et 35 km de capitale San José, ben yo planté, yo mette yo base nan rivière Paus Alimenta Ocho et ki genyen ki pral alimenter plus de 650 machines de 150 clients de Costa Rica li même li capable li se yon lieu idéal pour minerie de crypto-monnaie internationale et de jour en jour et il a utilisé énergie propre ou bien énergie propre et énergie et qui a bas prix pour être capable de faire ça qui est pour avec connectivité de internet. Mais c'est une très bonne nouvelle pour le monde dans le pays Costa Rica. Mais une plante énergie hydroélectrique dans le pays ça devra le réutiliser pour être capable d'impulser et diverses opérations de minerie de crypto-monnaie dans le pays ça. Mais j'en nous saute là depuis 30 ans de opération plante ça légale et pas de marché. Et ben avec activité minerie ça, c'est pour nous bien préciser
gouvernement lui-même li suspend acheter électricité pour que pays a capable joindre énergie depuis ça a été fait sous pandémie qui a commencé dans l'année 2021 qui s'est passé à là. Et très très bonne information pour tout le monde qui est intéressé dans la minerie dans le pays Costa Rica, pour tout le monde qui est intéressé dans la crypto-monnaie dans le pays ça, mais Costa Rica lui-même lui mettait une plante hydroélectrique pour capable d'énergie renouvelable. Et bien il fait connait que et peut-être Atik ça fait connait que peut-être Costa Rica capable suivre exemple de voisin li El Salvador pour le convertir en premier pays et dans monde blanc qui pourra l'adopter ou bien deuxième pays qui pourra l'adopter monde pour l'adopter crypto ou bien Bitcoin comme monnaie légale. Et peut-être il fait qu'on est que Costa Rica pas gagné au plan propre et profond dans la banque centrale et pour faire innovation technologie ça, mais il espère que et développer dans l'industrie nationale fintech là lui-même lui est capable prendre du temps avec le gouvernement pour réfléchir une stratégie qui plus grande pour capable attirer et plus participants et dans data center CR qui c'est data centre de Costa Rica pour capable continuer et bail client local au service et sont très bonnes informations. D'ailleurs Nadjib Boukele qui t'a parlé l'autre jour qui t'a dit comme ça que qui t'a fait une prédiction sur Twitter peut-être bien deux pays qui pourraient accepter Bitcoin ou bien crypto monnaie comme monnaie courant légal dans pays ça. Et l'autre information qui est intéressante nous gain pour ben près de 100 millions de tokens de Shiba et ben qui t'est boulé dans une temps qui s'est passé là le 7 janvier 2022 qui s'est passé là. Eh bien, il y a été boulé 100 millions de tokens Shiba, eh bien, qui était boulé, eh bien, janvier, 7 janvier, qui s'est passé à, il y a un total qui était vaut à 103 270 223 tokens Shiba, il y a été boulé. Eh bien, équipe responsable de brûlure de tokens Shiba, lui-même, lui, est très intéressant. Une nouvelle entreprise lui-même lui promet récemment que brûlure de token lui-même il pourra réserver pour Shiba pour capable réduire sous-ministre total actif qui gagne sous projet token brûlure de token. Un processus de brûlure de token Shiba lui-même lui continue sans arrêter, mais action ça lui-même lui pourra mener libéral mené yon total de quantité nous saute parler de lien. So gade là après toute information yo qui était faite sur boulot de token là, transaction hash statut block type ça form etc etc. So toute information nous t'ai porté pour information qui intéressant. Et mais avant nous aller nous t'apprendre normalement bon on tient information qui intéressant. Metaverse lui-même Meta lui-même l'a recruté personnel et Microsoft et Apple et pour continuer à avancer avec plan Metaverse. Et bien ça